Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est du côté du lac de Plitvice. Alors, faut savoir qu'on est arrivé pendant la nuit. Donc, on est parti très tard de Zadar. Je pense qu'il était presque 23 heures. Et on est arrivé aux alentours de 1 heure ici au lac de Plitvice. Et la nuit a été extrêmement courte parce qu'en fait, pendant qu'on cherchait un spot, une place où se mettre, en fait, la police douanière nous a arrêtés. Donc, Ninon dormait derrière. Il nous a demandé nos papiers, papiers du véhicule. Et un policier a voulu rentrer donc dans le camping-car. Il a juste regardé s'il n'y avait personne dans notre salle de bain. Parce qu'en fait, il regardait si on n'était pas rentré illégalement ou qu'on ne faisait pas rentrer des gens illégalement en fait, sur le territoire croate. Voilà, c'était un peu bizarre. Voilà, mais on est resté calme et ça s'est super bien passé. Donc il était, je pense, 1 heure du matin quand on s'est fait contrôler. On cherchait absolument une place et en fait les barrières du parking du lac en fait sont totalement fermées la nuit. Donc on ne s'est pas rentré pour pouvoir se poser. Donc on a quand même tourné pas mal en rond avant de se faire arrêter. Et les gars très gentils en fait nous ont dit qu'on pouvait se rester là, enfin en tout cas qu'il y avait peut-être une aire où on pouvait se mettre. Pour finir, nous on s'est garé juste devant les grilles de l'entrée donc des lacs de Plitvice. Et au matin, là maintenant, il y a un monsieur, donc ici je vous parle, il est environ 6 heures. Il y a un monsieur qui a gentiment toqué à notre porte pour qu'on puisse rentrer dans le parc. Donc on vient de se garer, on est tout seul. Et voilà. On va découvrir les lacs de Plitvice aujourd'hui avec vous. Et bonjour tout le monde. Hello. Alors ça y est, on est un peu plus réveillé et on va visiter aujourd'hui les lacs de Plitvice. Plitvice avec leurs cascades qui sont reconnues au patrimoine de l'UNESCO. Donc on a hâte de voir ça et de vous montrer ça. Je vais vous montrer un petit peu les deux parcours qu'on pense faire. Enfin, pense faire. Il y en a un qu'on va faire sûr à certains et l'autre on va voir en Ouais, fonction de notre état physique. c'est ça. Notre condition en fonction de comment c'est difficile ou pas. On vous montre ça tout de suite. Alors ici vous avez le plan, la map générale du parc naturel. Donc vous voyez les différents lacs et les cascades qui les relient, pardon. Donc on est là à l'entrée 1 et après on va monter jusque là-haut. Si on y arrive. Théoriquement, après on prend le bateau à travers tout le grand lac. Et c'est là qu'on va se dire, ben, soit on est mort et on retourne à pied par là, ou en navette. Ou soit si on est encore vaillant, on monte tuc, 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 tout cela. Et après seulement on redescend. On verra bien. Surprise. Bon les amis, on n'a pas fait 10 mètres. Et regardez comment c'est déjà, mais magnifique. Les cascades sont énormes. Là-bas. Elles sont trop trop belles. Waouh, je pense qu'on va encore en prendre plein les yeux aujourd'hui. Mais regardez-moi cette carte postale, quoi. Waouh. C'est trop beau. Oh, j'ai trop hâte d'y être, même si je sens qu'on va galérer. Pour l'amour des cascades. C'est ça, quoi. Waouh, regardez ça sur le côté, là-bas. Il y a une toute petite carte postale. Regardez-moi comme cette eau est transparente, les poissons, les voix, comme s'ils étaient dans notre assiette. Ça donne trop envie d'aller se baigner, quoi. Plus la température qu'il fait, ça donne trop envie.
fait trop beau. Il fait trop bon, il fait trop beau et c'est trop beau. Oh là là. Je vais pas vous le cacher, ça fait des années que je veux venir là. Mais des années que je veux venir en Croatie pour faire ces parcs nationaux qui sont juste magnifiques. Et que j'aime, je regrette pas une seconde. C'est trop bon, c'est trop beau. Ce bruit de l'eau qui coule. Oh là là. Les premiers plans qu'on a pris tantôt, on vous montrait la grosse cascade de tout en haut. Et maintenant, on est descendu, on est au pied de cette grosse cascade. Et c'est juste trop beau. C'est magnifique. On est tout petit! Il y a même des sirènes. Oh là là, la douche que ça ferait. J'ai oublié mon gel douche, je regrette.
C'est dommage parce qu'avec la vidéo, vous n'avez pas le rendu vraiment de l'eau comme nous on l'a. Mais elle est turquoise, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme cette eau est propre et belle. C'est waouh, waouh, waouh. À chaque petit point, à chaque tour, on en prend plein les yeux. Wow. Je veux vivre ici. Abandonnez-moi là. Premier tour en bateau pour Ninon. Et ne regarde pas du tout par-dessus bord. Et regarde les gens. Tu cherches ton canard encore? Non. Mais regarde les gens. Notre fille est sociable, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Non mais sérieux, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un truc pareil? À Disney ou à Pirates des Caraïbes? Je sais pas, mais... Regardez comme c'est magnifique. On n'est pas aux Caraïbes, hein. On est en Croatie. C'est trop beau. Je vous en mets un petit coup de ralenti, bougez pas. Le mec, il est en fuite. Putain, je le plains. Hein. Vive le portage. Une belle poussée de 404, mais fou. Il a quand même enchaîné des bulles. Je vous explique. Ici, on vient de passer un escalier. Et dans l'escalier, on a dépassé un monsieur qui était avec une poussette. Enfin, une poussette avec des grandes roues et trois. Mais le pauvre, il était en pleine galère quand même dans son escalier. J'ai voulu lui donner un coup de main, mais il a pas voulu. Donc il doit quand même galérer à mort. Et il a pas fini de galérer, hein. Ouais, s'ils font le grand tour. Cran purée, bah on est sur le grand tour. Donc oui, le pauvre. À mon avis, ils ont pris des vivres et ils en ont pour 3 jours. Ouais. Regardez ça, waouh! Que dire d'autre que waouh! Rien!
Regardez ce trou, on dirait un monstre qui sort de l'eau. Je profite d'un endroit, d'un moment un petit peu plus calme pour vous expliquer un petit peu la difficulté de filmer ici dedans. C'est très beau, c'est magnifique. Mais les petites passerelles comme ça, quand on est occupé à filmer, c'est bien compliqué. Je dois toujours faire attention à pas me casser la gueule à côté d'une passerelle. Vous imaginez le scénario, si je tombe d'une passerelle, si je tombe dans l'eau occupé à filmer, ce serait trop bizarre. Enfin, ce serait très drôle à mettre en vidéo, hein. Du coup, je sais pas où je finirais. Et aussi, ben, j'adore, enfin, on adore vous partager et filmer pour vous. On adore ça. Mais je me retrouve un peu comme dans les situations où avant je prenais mon appareil photo partout et il était tout le temps avec moi. Mais alors, du coup, on apprécie. Enfin, c'est pas qu'on apprécie plus les endroits, mais on les voit différemment à travers un objectif, à travers un smartphone, un appareil photo. C'est différent. Mais voilà, on va partager avec vous. On vous montre pas tout, mais on vous partage les plus grands moments. Allez, à tantôt. C'est marrant ce contraste entre les cascades qui nous font croire aux Caraïbes et les petits sentiers feuillus et rocailleux qui nous feraient penser qu'on est dans les forêts en Ardennes chez nous. C'est vraiment très contrasté. C'est magnifique, hein, mais c'est contrasté. On passe des Caraïbes aux forêts ardennaises. C'est marrant. Il y a la chaleur en plus, hein. Ouais, il paraît qu'en Belgique, pour le moment, il fait bien chaud quand même. Hein. Ouais. Ouais, ils ont des belles températures dans les 30 degrés aussi. Donc on a, à mon avis, on est au même, à peu près au même stade niveau température. On a pris un peu de hauteur. Regardez un peu la couleur. J'aurais bien fait voler le drone, mais c'est interdit. Malheureusement. Ah bon. Cette hauteur-ci, c'est comme si on était avec le drone presque. Hein. Waouh. La couleur. Salut bébé. Alors, c'est beau? T'apprécies? C'est dingue parce qu'on n'arrive même pas à voir le fond de ce lac, quoi. L'eau est tellement pure, mais en même temps, c'est trop beau. En effet, Aurélie, c'est beau. Bon mot pour conclure cette vidéo. Ah ben en tout cas, franchement, elle m'a bien plu cette vidéo. Je sais pas vous, mais moi, elle m'a rappelé de bons souvenirs en tout cas. Ça fait du bien. Il m'a un petit peu réchauffé parce que ces temps-ci, il fait humide et le temps est pas. Il commence à être un peu froid. Allez, on bouge un peu. Hop. Hop. Elle m'a même donné soif cette vidéo. Je vais me servir un petit verre, je pense. Oh, tout pile, une bonne petite chouffe qui traîne. Souvenir de Tchernobyl. Allez, santé les amis. Alors vous n'hésitez pas, on s'abonne, on like, on commente. Ça nous fait toujours plaisir. Et franchement, là, on n'est pas loin du tout des... on vient de passer le 900 membres, donc on n'est pas loin des 1000. Donc, on va vous préparer une petite surprise pour les 1000, très certainement. En attendant, santé! Ça fait toujours du bien une petite bière.